Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui du coup pour la première vidéo de la chaîne sur un unboxing, déballage de un casque audio. Donc vous avez deviné c'est lequel dans le titre de la vidéo. Donc commandé sur Amazon, vendu par Amazon. Donc déjà première fois que je reçois dans une enveloppe comme ça. Vous l'aurez deviné, c'est donc le Rode Delta S. Déjà, première impression de la boîte, c'est du Asus Rog, hein, c'est pas du bas de gamme, quoi. Donc Rode Delta, voilà, c'est en argent brillant un peu. C'est franchement ouais, assez qualitatif, quoi. Donc bon, ce qui est dommage, bon, c'est que c'est en anglais derrière. Donc je vais ouvrir. Alors, comment ça s'ouvre déjà? Ok. Déjà, ça s'ouvre déjà. Voilà, on sent que déjà il y a un certain respect, tu vois, vous voyez, pour le client, tu vois. Donc voilà. Welcome to the Elite Republic. Donc bienvenue dans la République des gamers. C'est une boîte, enfin c'est un petit carton rigide, voilà, avec un peu de relief dessus. Et de la mousse derrière pour protéger le casque. Donc voilà, c'est vraiment très qualitatif ce casque. Donc ensuite, donc le casque se trouve à l'intérieur. Il est très très léger. Alors, voilà. Et à l'intérieur, une boîte avec les câbles. Et ici, donc rien, le néant total. Donc, alors, on va déjà regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc un câble. Donc ça, le manuel. Hop, ça, le micro, oula, pardon, tac, le micro, et donc le câble pour le casque. Donc voilà, donc ça c'est ce que vous branchez du coup en façade sur le boîtier ou derrière sur la carte mère. Donc vous branchez au casque, tac, donc en gros ça fait une rallonge, quoi. Donc voilà, c'est basique, bon, de toute façon c'est un câble USB type C, donc voilà, on va pas s'attendre à du haut de gamme. Voilà, on voit Rog, donc c'est toujours sympathique. Sur HyperX aussi, ils le font. Donc voilà, je pense que c'est plaqué or. Ensuite, hop, tac, qui a une bonne longueur de câble, ça devrait le faire pour la plupart des configurations. Donc voilà, donc maintenant le casque. Donc voilà, très propre. Bon, il y a mes traces de doigts. Bon, c'est normal. Tous les casques prennent les traces de doigts. Mais sinon, c'est très propre. Donc là, il y a le RGB sur le tour. Voilà. Donc ça se tourne. Voilà, ça va s'adapter vraiment à toutes les têtes, je pense. Ensuite. Hop. Donc là, sur l'arceau. C'est de l'alu ou du métal? Je ne sais pas trop. Et voilà, en tout cas, c'est pas du plastique, donc c'est là, voilà, c'est franchement qualitatif aussi. Donc le plastique est bon, les coutures ici sont pas mal, sont bien, avec marqué Republic of Gamers ici. Désolé pour mon accent, super, super cool. Hop. Et du coup, voilà. Donc là, ça a l'air du semi-cuir, quelque chose comme ça. Et là, plus quelque chose en mousse, quoi. Donc ça, c'est bien, franchement. Je pense qu'il n'y a pas tous les casques où il y a deux paires de coussins comme ça. Donc voilà. Hop. Donc je vais le tester là, 2 secondes pour le mettre sur ma tête. Ah ouais, d'accord. Donc oui. Donc moi qui ai vraiment une grosse tête, franchement, ça va pas vous serrer, hein, clairement. Donc ensuite, ça c'est pour le RGB. Et puis ça, c'est pour le micro, je pense. Le micro. Donc on va regarder vite fait. Donc voilà, vous avez le manuel qui est là. Molette de contrôle audio, donc c'est pour contrôler l'audio. Tourner la molette pour contrôler le volume. Appuyer dessus pour couper le microphone. Donc en fait, on appuie dessus. Ok. Donc là, vous voyez. Ensuite, le micro. Donc le micro amovible. Donc ça veut dire que vous pouvez le mettre et l'enlever.
qui a un sens. Voilà, vous voyez, plat ici, arrondi là, pareil là, sur le micro. Hop, et vous le branchez. Donc voilà. Donc franchement, casque très propre. Voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose de bien. Eh bien, je ne suis pas déçu. C'était la vidéo déballage. Donc, je vais peut-être faire une vidéo sur la qualité de son, micro, tout ça. Donc je verrai bien. Merci d'avoir regardé. Et puis bah, à bientôt pour d'autres vidéos.